Salut, salut, bienvenue à toutes et à tous. Nouvelle vidéo, on continue nos aventures de conteneurs et on va peut-être commencer à passer aux choses sérieuses aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Salut à toi, Haribo, salut Yoda. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Salut la Terraluse, bienvenue. Ah bah Azram, c'est gentil de nous rejoindre. Alors, qui d'autre est arrivé? Alors, comme d'habitude, j'ai oublié de muter l'onglet de contrôle. Hop. Est-ce que là on est bon? Hop. Ok. J'espère qu'au niveau volume c'est bon, la musique est pas trop forte. Le micro est assez fort. T'avais le nez dans Podman pas plus tard qu'il y a maintenant? Ouais, mais si ça se trouve, moi. Enfin. Voilà, je vais. Et il n'y a pas de souci, Haribo, c'est déjà très gentil de suivre rien qu'en pointillé. Je vais faire une petite pause dans Podman pour le moment. Ah, alors déjà, si on dit il y a de la musique, hein, c'est que. Enfin, on demande s'il y a de la musique. Pop, 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 pom. Tu dis pas ça pour que je fasse du Podman. hop. Voilà. Alors, je sais pas si tu l'entends un petit peu plus, Yoda, la musique, mais je sais que j'ai, ça fait plusieurs mois que j'ai un peu de mal à doser entre la musique trop forte, la musique pas assez forte. La bonne nouvelle, c'est que comme de toute façon, j'enregistre sur deux pistes audio, en fait, ce problème-là peut se régler au montage pour les replays. Et ça, c'est cool. Cube, ça te va aussi. Bon, bah c'est cool ça. Pop, 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 pop. Alors, j'ai pas préparé grand-chose, je me suis juste un petit peu renseigné. Et je me suis dit que on avait fait assez de Podman. Enfin, j'en fais jamais assez. Alors, salut à toi, Radegund. Il y a un plugin qui fait baisser la musique quand je parle. Ah. Ouais, alors faudrait que je. Honnêtement, alors c'est moche à dire, hein, mais j'avoue que le son, j'y ai pas pris assez de, je pense, j'ai pas fait assez de recherche sur ça. Sinon, je mets un coup d'équaliseur sur la piste audio pour baisser l'endroit où il y a ma voix, ça sera plus équilibré. Écoute, pour le moment, alors c'est un peu le problème des tests en live, c'est que des fois ça va devenir un petit peu. Mais si pour le moment tout va bien au niveau du son, je prends note de ça. Radegund pour le plugin et Lateralus pour le coup d'equalizer. Il faudra que je fasse des tests en offline. Hop. Et. Et ce que je vais faire. Alors. Où est-ce que j'en étais moi? Oui! Donc, ce soir. Ce soir, aujourd'hui, pour le live. L'idée, c'est de commencer à aller commencer à découvrir un peu Kubernetes ou Kubernetes avec une distribution de Kubernetes qui s'appelle K3S. Comment je vais m'y prendre? Comment je vais m'y prendre? J'ai deux trois liens. Alors bien entendu, je vais vouloir faire ça avec du Fedora. Et ce qui est assez sympa, c'est que je suis tombé sur un tuto, sur une doc, qui vient de chez Fedora Magazine, qui est un site internet que j'apprécie pas mal, je trouve. Je trouve qu'ils font des bons articles de temps en temps. Radegun qui précise, pas expert OBS, mais c'est soit une option, soit un plugin. Ouais, faudrait vraiment que je me mette, comment dire, que je prenne un moment en fait. Pour comment dire, pour vraiment travailler ma config OBS. J'essaierai peut-être de faire ça cet été. Pour l'anecdote, j'ai regardé une vidéo. Alors, c'est une vidéo assez longue, une vidéo de plus de 5 heures du youtubeur Eposvox, qui a comment dire, une vidéo en long, en large et en travers sur OBS.
qui a l'air d'être une mine d'or en information sur le sujet. Donc je pense que j'essaierai de repotasser sa partie audio. J'ai pas pris de notes pendant que je regardais la vidéo, mais j'aurais peut-être dû. Je vais peut-être passer tout de suite sur cette vue-là, hop, si vous le voulez bien, avec le petit lien vers la doc qui va nous servir aujourd'hui. Hop. Et que je vais aller aussi remettre dans les liens du live sur le canal Discord. Hop. Dont l'adresse est indiquée par là, si vous voulez rejoindre la discussion entre deux streams. Alors, en gros, on va peut-être essayer de poser un petit peu les bases aussi. Qu'est-ce que c'est que tout ce biniou et et à quoi ça sert et comment on est venu des streams précédents avec Podman à ce gros mot qui est Kubernetes. On a fait un peu une petite progression avec les conteneurs sur les derniers streams. C'est-à-dire qu'au début, on a lancé juste un pauvre conteneur. Ensuite, on s'est mis à créer un conteneur personnalisé. On a voulu mettre des confs dedans qui étaient les nôtres. On a voulu mettre un contenu dedans qui était un contenu personnalisé aussi. Et puis, on a commencé à partir de là à se dire, mais ce serait sympa, par exemple, si j'ai un conteneur avec un serveur web, de pouvoir garder les logs ou pourquoi pas même le contenu sur du stockage qui est pérenne, permanent, puisque les conteneurs n'ont pas vocation, contrairement aux machines virtuelles, à être des trucs permanents. Et ensuite, on a commencé à faire joujou un peu avec du réseau, à vouloir avoir plusieurs conteneurs qui discutent ensemble. Et on avait, on a comme ça réussi, grâce à Asram, à découvrir notamment les Dockerfiles. Et on a fait tout ça avec Podman. On aurait pu le faire avec Docker. On aurait pu. Mais ça me semblait plus drôle avec Podman. Mais jusqu'à maintenant, à part lancer quelques conteneurs sur une seule machine, on n'est pas allé très loin. Maintenant, ce qui pourrait être sympa, c'est d'aller un cran plus loin, et dans notre cas, notamment dans ce qu'on pourrait dire l'orchestration de nos conteneurs. On aime ça, la gestion du réseau en rootless avec Podman. Oui. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, Asram et moi, on s'est quand même bien pris la tête. Parce que l'intérêt de Podman, l'intérêt principal de Podman vis-à-vis de Docker, c'est qu'il a des droits beaucoup moins élevés. Il fonctionne en userland. Bah justement. Justement, Radegund, c'est justement ce que je vais dire. En gros, Podman peut fonctionner ce qu'on appelle en daemonless, donc on n'est pas obligé de lancer un daemon, un service système pour faire tourner Podman. Et Podman n'a pas besoin des droits root pour fonctionner à la base. Alors que d'après ce que j'ai compris, Docker, je crois qu'il faut que tu sois dans un groupe et ce groupe est plus ou moins lié à l'admin, un truc comme ça. Asram qui nous dit Podman permet de faire à peu de choses près la même chose que Docker, mais tu peux le faire sans être root ou dans le groupe Docker. Voilà. Mais par contre, ça a quelques limites. On a pu remarquer que lorsqu'on essaye de mettre en place des configs réseau un petit peu. Alors, moi, je les trouve pas si déconnantes que ça, mais visiblement, voilà, c'est ça. Comme dit Asram, finalement, du fait de ne pas être root, il y a quelques subtilités. Et ces petites subtilités font que, par exemple, en termes d'adressage, t'as des genres de translations qui se font à droite, à gauche. Ça a l'air bizarre. On n'a pas forcément trouvé le fond du pourquoi, du comment. Je crois qu'on avait trouvé quelques liens qui étaient intéressants sur le sujet. Plutôt que de se... Ah oui, c'est toujours bien de connaître une alternative, Radegund. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord.
Et c'est en fait pour ça, moi, ça m'intéressait beaucoup Podman, justement, de ce que j'avais lu, c'était la partie vraiment ne pas avoir besoin des droits root juste pour lancer un conteneur sur ton ordinateur, juste pour tester un truc pour en développement, quoi, par exemple. Donc à partir de là, comme ils indiquent sur le site de Podman, hein, podman.io, oups là, je me suis trompé. Hop. En gros, ce que j'aime beaucoup, c'est voilà. Tout simplement, vous faites alias Docker égale Podman, si vous avez Podman, et ça marche pareil pour la plupart des usages basiques, en fait. Dès qu'on se met à faire des trucs un petit peu plus joyeux à base de conteneurs qui discutent en réseau, des trucs comme ça, ça commence à devenir un peu comique. Mais en dehors de ça, ça fonctionne pas mal. On va laisser Podman de côté pour le moment. Et donc l'idée, c'était justement suite aux tests qu'on avait fait, notamment avec du Dockerfile, où on voulait plusieurs conteneurs qui marchent en même temps. Je me suis dit que c'était le bon moment pour commencer à aller voir ce monstre qu'est Kubernetes. Je dis gros morceau parce que peut-être que je m'en fais tout un cinéma. Mais j'ai l'impression que c'est un truc à la mode en ce moment et qui est probablement assez difficile et aussi assez consommateur en termes de ressources à mettre en place et à vouloir tester. Donc plutôt que d'utiliser ce qu'on pourrait dire la distribution principale de Kubernetes, qui est, je crois, Kvitess. Si je dis pas de bêtises, je pense que Azram sera à même de me corriger, parce que je crois qu'il connaît un peu. Je dis pas de bêtises, Azram. L'idée, c'est d'y aller gentiment, d'y aller progressivement, d'y aller d'abord facilement, et puis d'augmenter la difficulté au fur et à mesure. Et aussi s'assurer que j'aurai pas trop de problèmes de ressources. Celles et ceux qui suivent mes streams du jeudi savent que je suis en train de faire donc une sorte de labo maquette virtuelle et que je commence à regarder assez attentivement ce que ça prend sur la machine parce que je pense que j'atteins la limite. Azram qui nous dit. Beaucoup de personnes qui veulent utiliser Kubernetes pour du pro n'en ont pas besoin. Et je ne dis jamais de bêtises, t'es un amour Azram. Après, dans certains cas de figure, il y a vraiment des intérêts à utiliser de la containerisation. Hein. Mais aujourd'hui, effectivement, tous les usages ne sont pas forcément pertinents. Donc voilà, Kubernetes, en fait, ça permet, entre guillemets, d'orchestrer nos conteneurs, de pouvoir les organiser, et de les organiser pas seulement sur une machine, mais potentiellement sur plusieurs. Donc c'est là où ça devient sympa. Et Azram qui pose tout de suite la problématique de maintenir la sécurité dans les conteneurs, et notamment avec, effectivement, les versions de composants. Qui est effectivement un sujet très pertinent, alors qu'on va peut-être pas aborder tout de suite, parce que dans l'immédiat, on fait pas de la maintenance de conteneurs, là c'est juste du joujou, mais potentiellement, moi c'est vrai que j'aimerais bien, par exemple, j'ai l'exemple que j'avais utilisé de vous montrer ma page perso, ma page d'accueil personnelle dans un conteneur, c'est qu'aujourd'hui c'est un truc qui est statique chez moi, et je me dis qu'un de ces quatre serait pas mal justement de conteneuriser la chose. Lateralus qui dit qu'il a croisé pas mal d'usages où Docker était overkill et plus lourd à maintenir qu'une VM. Ah ouais. Ah, il y a des gens qui ont réussi ça. Ah ouais, eh bé. Il y a des gens, ils ont... ils sont forts dans l'overkill. Mais oui, voilà, pour tester de l'appli, c'est beaucoup plus rapide de lancer un Docker que d'aller lancer une VM, de l'installer. Même si, mince, il y a Vagrant aujourd'hui pour pouvoir démarrer des VM assez rapidement, qui a l'air de fonctionner assez bien. Mais je m'en sers pas assez pour pouvoir comparer efficacement je teste une appli dans un Docker et je teste une appli dans un Vagrant. Donc,
un truc qui va être amusant, c'est que on va tester donc Kubernetes avec K3S, mais surtout, je me disais, on doit bien pouvoir installer ça sur Fedora. Et l'article de Fedora Magazine propose carrément d'utiliser Fedora IoT, qui est une édition de Fedora qui cible l'internet des objets et qui existe en deux versions. Alors qu'est-ce que j'ai fait du lien? Fedora Internet of Things, Obtaining Images, et en fait en gros il y a une version, je sais pas où est-ce qu'ils ont montré ça, hop, une version x86-64 et une version ARM. Donc voilà, il y a des trucs ARM, et puis il y a des trucs normalement voilà, pour faire une VM, donc a priori ça passe aussi. Et donc j'ai rallumé mon petit serveur de HomeLab, je lui ai un peu baissé sa fréquence pour espérer qu'il n'est pas trop chaud, ce qui me fait d'ailleurs penser que je vais remettre le check de la température dans le coin, si vous me laissez un petit instant, voilà, et on va espérer qu'il n'est pas trop chaud. Hop là. Donc j'ai... Hop. J'ai téléchargé. Alors, tiens, on va le tenter avec l'ISO. On va s'installer une Fedora IoT pour voir ce que ça donne. Hop là. Vite, on va se la mettre dans le réseau de base, je pense. Alors, boot, hop là, Fedora, IoT, hop. Alors, tiens, il a pas réussi. Fedora 36, hop, très bien. Forward, on va lui mettre 4 gigs de RAM, hein, on va pas être, voilà. Puis on va lui mettre 4 vCPU parce que je me sens d'humeur généreuse. Oui, c'est du KVM, Lateralus. Oui, je fais tout dans du libvirt. Je me casse pas la tête. On va lui laisser 20 gigas dans l'immédiat. Je pense que ce sera très bien. Et on va l'appeler. Ah, tiens, il a. J'ai mis Silver Blue. Mode de. Hop. Non. Hop. Fedora. Hop. Ah, tiens, j'ai un. Voilà, vas-y, allez. Fedora. Ah, si, 36. Voilà. Et donc j'avais dit 4096, 4 vCPU, emballé, c'est pesé, voilà. Et on va l'appeler K3S-0. Allez, hop. Ça c'est du NAT. Bon, on va laisser tous les trucs comme ça, je pense. Il y a juste, moi j'aime bien aller modifier le CPU et lui dire, au fait, t'es en host pass-through. On va lui dire un socket, 2 cœurs, 2 threads. Allez. Voilà. Et on démarre l'install. Ça faisait longtemps que j'avais pas installé une VM entre guillemets à la main, tranquillou. Alors, si je fais un petit scale display, histoire que vous y voyez quelque chose. Bon, ça démarre comme une Fedora, c'est plutôt bon signe. Et ensuite, on a Anaconda qui se lance. Ok. Ouf, English US, très bien. Hop. Partitionnement auto, moi ça me va très bien. Root account is disabled, no user. Oh là oui, d'accord. Hop, disable root. Wow, on veut. Ouais, allez, on va l'activer.
On va mettre comme d'habitude. Voilà. Allo SSH, ouais non. Allez hop. Tac. Et moi, j'aime bien. Voilà. Là, pareil, j'ai mis un mot de passe bidon. Europe Paris. Ouais, UTC, c'est bien, non? C'est bien UTC, hein? Allez, ETC, hop, UTC. Enfin, UCT, quoi. Hop, et on l'installe. Zou. Oh, il fait de l'XT4. Il est resté en XT4. Je pensais qu'il serait passé en ButterFS. J'espère qu'il va aller assez vite, hein. En théorie, IoT édition, c'est censé être léger. Alors une autre édition de Fedora que j'envisage de tester aussi dans cette série de streams sur les conteneurs, c'est Fedora CoreOS. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé dans des streams précédents, mais en gros c'est une version de Fedora avec justement Docker et Podman préinstallés. Et d'autres outils d'ailleurs préinstallés qui fonctionnent en mode image disque en lecture seule ou presque. Et en fait, y a un truc de configuration à la Cloud Init, mais c'est pas Cloud Init. Et ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Et si ça se trouve, on pourra peut-être poser du Kubernetes là-dessus. Mais on n'y est pas encore, hein, mais je pense que ça pourrait être marrant à faire. Ça pourrait être très drôle. Oui, alors, c'est bien. J'ai un terminal dans un coin, un terminal dans l'autre. Et bien entendu, hop là. Salut à toi, Pixel. Performing post-installation task. Ouais, mais alors attends. Ah, ça, c'est le bruit du follow. Merci pour ton follow, Pixel. Merci beaucoup. Ah, c'est, il a, c'est moi ou il a, il est passé de genre 25% à 98% hyper rapidement. Il me faudrait un push to mute quand je vais éternuer. Alors, hop, Fedora, login, browse to provision. What? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Provision.fedora.project.org. Alors maintenant, je veux vérifier. Alors, provision.fedora.project.org. To claim this device, device ID. Ah oui, mais il me faut un account. Oh là là. Ça a l'air chelou ce truc. Bon. De toute façon, j'avais mis. Ok. Et donc 122,99. Ok. J'ai pas fait gaffe s'il y avait. Si on avait une conf réseau dans le truc.
Je vais peut-être relancer Vitoff une réinstall. Et je vais lui faire ses paramètres réseau. Alors, SATA, c'est les ROM. J'ai oublié le boot option. Hop. Alors non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire lui, hop, en bas, appliquer. Voilà, comme ça par défaut. Échappe. Voilà. Et ce que je veux, c'est le DVD. Et je vais relancer l'install. Heureusement, elle est pas très longue. Mais je vais vouloir peut-être lui faire une petite conf réseau Vitoff. Alors je pourrais la faire en ligne de commande, je pourrais me battre avec Network Manager. Mais j'en profiterai pour regarder s'il y a d'autres choses à l'install. Alors, donc non, je veux toujours en anglais, US, voilà. Ensuite, oui, réseau, voilà, je savais bien que j'avais zappé un truc. Configurer. Pouf, 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 IPv4, allez, on va ajouter une IP, non, du coup, manuel, hop. On va mettre 130. La gateway, ce sera ok, et lui ce sera pareil, save, et le hostname on va l'appeler bah, K3S. Alors je crois que c'est pas forcément une bonne idée de mettre des tirets des fois. Ouais, bon allez, tiret 0, allez hop, apply, voilà, done. On va laisser le partitionnement automatique, c'est très bien. Reclaim space. Vas-y, efface-moi tout. Voilà. Route à compte, on a dit OK. Hop. Je mets un mot de passe faible qui est grosso modo password. Je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais comme c'est du test, je m'en moque un peu. Oh, d'ailleurs, à ce sujet-là, il faudra que je vous raconte un truc drôle. Mais il faudra que je vous le raconte jeudi dans le stream. Labo réseau maquette. Hop, voilà. Et c'est reparti. Et je vais vous demander un petit instant. Je mets le stream en pause, mais ne bougez pas, je reviens très vite. Et me revoici, me revoilà. Ce fut bref mais intense. Alors, pendant qu'il se réinstalle, on va peut-être jeter un petit coup d'œil au truc qu'on suit aujourd'hui. Alors, while Kubernetes is all the rage in the cloud. Ok, c'est pas forcément évident. Oui, oui, bah oui, le faire tourner sur un truc du genre Raspberry Pi et compagnie, c'est sûr que
Expensive hardware. Plein d'applications qui arrivent pré-packagées. Ok, c'est cool. Et voilà, alors l'orchestration de conteneurs. Ok, c'est cool. Alors, donc une installation normale de Kubernetes, c'est un peu lourd. On recommande au moins 2 gigas de RAM par machine. J'avoue, alors quand on lit Kubernetes de Hardware, j'ai l'impression que Kelsey Hightower, il se gave et on voit qu'il bosse chez Google. Hein, Alors, cependant, il y a plein d'alternatives et l'une d'entre elles, c'est K3S. Hop, K3S.io. Qui dit bah, justement un Kubernetes léger. Ok. Et c'est spécial parce que ça a remplacé un truc qui s'appelle etcd par SQLite pour son stockage clé valeur. Ok. Et un autre truc à remarquer, c'est que K3S, c'est un seul exécutable binaire au lieu de un par composant. Donc on a une empreinte mémoire et l'installation qui sont beaucoup plus simplifiées. Et grâce à tout ça, K3S est capable de tourner avec 512 MB de RAM seulement. Ok, donc moi, mes 4 vCPU et les 4 GB de RAM, normalement, c'est overkill. On va bien voir, hein. Donc, de quoi on a besoin? Fedora IoT dans une machine virtuelle ou sur un périphérique physique. Ça tombe bien. Hop, ça, on a. C'est cool. Oh, je suis allé trop loin. Hop, là, voilà. Et ensuite, une machine suffit, mais deux permettront de tester plus de nœuds dans le cluster. C'est cool ça, on pourra essayer. Hop, allez, démarre. Et il faudra configurer le firewall pour autoriser deux ports, le 6443 et le 8472. Ou alors le désactiver. Non, non, juste non. Je ne désactiverai pas le firewall. C'est décidé, je ne désactiverai pas le firewall. Voilà. Alors, mes ressources vont être overkill pour K3S, mais comme je vais faire tourner des conteneurs dedans, ce sera pas si overkill. Hey, merci pour le follow, Redil. Merci à toi. Et nous avons McFly Live qui est arrivé. Bah salut, bonsoir à toi. On verra ce qu'on va faire tourner comme conteneur dedans. Hein. Dans l'immédiat, pour le moment, ça reste essentiellement du conteneur Nginx avec une pauvre page statique. Hein. Donc lui, il a démarré. Ok, c'est cool. Alors, le truc qui m'embête, c'est que là, il dit, hey, au fait, vas-y, lance juste, voilà, curl machin, pipe sh. Comment dire? Je suis le seul à pas aimer ce genre de choses. Les curl pipe sh. Hop là. Alors, on va aller jeter un œil, hein. Ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Qu'est-ce qu'il fait ce script? Hop là. Pardon le micro. 7-E, 7-O, no globe. Installing server, oui. Oula. Ah ouais, d'accord, il y a plein de variables d'environnement. Ok. Ça pourrait être pire, curl pipe sudo sh. Alors, je suspecte qu'ils s'attendent à ce que je fasse ça en tant que route. Mais on va rire. On va le lancer. Comment ils disent ici? Si, curl pipe sh. Mais ils disent pas les droits. Alors non, là je suis sur Marvin. Comment est-ce que je vais me connecter à ce bignou, moi, d'ailleurs? Parce que je vais pas me mettre... j'aimerais bien pouvoir faire des fois du copier-coller. On va refermer ça. On va se faire... Hop. Voilà. Et pour le moment, on va se mettre là-dedans. Comment ça? Il a pas... Il a pas la console série? Non, arrête. Il va falloir que je me farcisse l'activation de la console série. Scale display. Ok, console, serial 1. Ah non, il n'y a pas de console série.
Alors, Azram qui nous dit, peut-être que tu as les appels sudo dans le script plutôt que d'avoir tout script via sudo. Ah, ça peut être une, ça peut être un peu moins relou. Use sudo if you are not already root. Bien joué, bien vu Azram. Bien vu. Alors ce que je vais faire, bah, c'est que je vais y aller en SSH, hein. On a dit 192, 168, 122 points, on avait dit 130. Voilà, ça marche. Hop. Ok, là je suis bon. Et hop. Tu ne fais que ton métier. Hop, et donc, et bah, curl pipe sh, allez hop, copier, coller. Ah, effectivement, voilà, sudo, allez, password. Finding release, ouais. You me command not found. Bah ouais, normal. Normal, command not found, c'est DNF, mec. Sudo dnf search yum. Alors je me demande. Ah, dnf con. Ah. Ah. Ok. Oui, c'est du OS3, c'est du RPM OS3. Ah 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 ah. Le petit coquin de. Alors pourquoi. Il date de quand ce tuto? 2019? Ouais, bon. Ok. Alors ça, c'est comique. Getting started, ouais, ok. Layered packages. RPM OS3 status. Allons-y. Ok. Ah, il y a un truc qui manque kick-in là, du coup, c'est que si lui il fait du Yum, package installer. CentOS 7, CentOS 8. Ou alors DNF, ok. Donc il, ok, il cherche quand même du DNF, hein, au cas où. Et il cherche à installer Container SE Linux. Mais en fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que j'ai voulu suivre le truc de manière assez, assez bête et méchante, mais en fait, une Fedora classique devrait fonctionner, en fait. Et du coup, je suis en train de me dire, mais pourquoi le truc voulait utiliser Fedora IoT si ça marche même pas avec avec les trucs en RPM ou S3, quoi. Ou alors, il est censé pouvoir comprendre ça et en fait... Setup SE Linux Policy. Ok. Non, il n'y a rien concernant RPM OS3, tiens. RPM OS3 install. Alors, je pourrais installer DNF comme ça, hein. Mais je suis pas sûr que ce soit forcément très intéressant d'utiliser Fedora IoT dans ce cas-là. Pour moi, ça rend le truc... Enfin, j'installe DNF avec RPM OS3 et en fait, ça n'a plus d'intérêt. Bon, vous savez quoi? Je sais qu'il est déjà 18h42, mais... Hop, exit. Est-ce que j'avais pas une Fedora serveur? Non? Alors.
Fedora Cloud Images. Allez hop, get Fedora. Édition, serveur, télécharger, image ISO, allez hop. On va pas se... Alors, pendant ce temps-là, on va peut-être regarder encore un peu le script, parce que Azram a quand même un point quand il dit « t'as aucune info de ce qu'il va faire via sudo ». Alors... On va revenir là. Sudo. Donc use sudo if we are not already root. Ok. Sudo égale sudo, sin, sudo égale. Ok, soit. Et en fait. USR local bin if root can write to it, overwrite, otherwise use opt bin. Ok. Donc a priori il va utiliser sudo pour installer le binaire K3S. Enfin il fait un test, là, il fait un touch, et sinon il fait un RM-RF du truc. Là on a un mkdir etc rancher K3S. Là on est à un sudo cho pour avec des sudo mv, ok. Ouais, donc en gros, toutes les opérations, vraiment, voilà, j'installe les trucs. Il fait joujou avec SE Linux. Ça, c'est très cool. Je suis très content de voir ça. Je suis très content de voir que le script d'installation prend en compte SE Linux. Ça me fait très plaisir. Ça aurait pu être beaucoup plus, plus crasse-pouille. Le truc aurait pu dire, allez, YOLO SE Linux, dégage. Et en plus, il vient créer un repo RPM. Enfin, en tout cas, vient configurer un repo RPM. C'est pas mal, ça aussi. C'est relativement propre. Et là, effectivement, $sudo RPM installer. Tiens, shell check disable. C'est quoi celui-là? Double quote to prevent globbing and word splitting. Ah. Et ils ont préféré le disable. Ouais. Ah, à cause du $sudo. Qui est pas... Ouais, effectivement. Il y a des moments où, ouais, il fait, ouais, bon, ok, allez. On va être gentil. Donc bon, a priori, il est pas si crasse-pouille que ça, le script. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Vous pouvez... D'ailleurs, je vous file les liens. Hop. Donc, maintenant que j'ai mon truc, là. Hop, sudo. Var lib virt. Et boot. Hop. Et c'est reparti pour une troisième installation. Allez, hop. Delete. Et... On recrée une VM. Hop, allez. Alors, on va mettre K3S0 comme ça, allez. On va éviter les tirer. Ce que je voulais faire, c'était comme d'habitude, le CPU. Hop, tac. 1, 2, 2, hop là, voilà. Et on démarre l'installation. Alors, on
peut-être lire le reste de la doc pendant ce temps. Qu'est-ce qu'il dit? Et ensuite, ouais, une fois que ça c'est fait, paf, ça télécharge, ça installe et ça démarre K3S. Donc il n'y a plus rien à faire. Et après l'installation, get a list of nodes from the server by running the following command, kubectl get nodes. Ok. Ok, hop, allez. Non, ça c'est le... Allez, dépêche-toi. J'aurais dû, en préparant le stream, carrément préparer une image prête à l'emploi, tiens. Pourquoi il me... Hop, voilà. Je veux de l'anglais. Hop. Bah alors ? Ah, voilà, English. Hop. C'est bizarre, elle a l'air de se traîner, l'install. Alors, root account. Oui, oui, allez, hop. Vous savez ce qu'on dit, hein. Préparer, c'est tricher. Hop, partitionnement auto, très bien. Et lui, par contre, donc on va l'appeler K3S0, appliquer. Et on a dit qu'on lui mettait IPv4 en manuel. Mais non, pas 102 points, enfin, hop là. Je vais pas mettre 13, je vais mettre 130. 24 et la gateway.1 et le serveur DNS.1. Voilà. Save. Mieux. Ça c'est appliqué aussi. Allez. Feu. Et ensuite, eh ben, il reste plus qu'à l'install source. Ah, il y a la time zone. Hop là. Une populaire opinion du dimanche soir. Depuis le temps qu'on a des mécanismes de gestion des capabilities, sudo devrait être banni, sauf pour faire de l'admin du système et encore. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant. Quand tu parles des mécanismes de gestion des capabilities, est-ce que tu penses à... tu penses en gros au namespace? Ah non, les capabilities genre réseau, ouais, les cap machin dans le kernel. Ouais. Ça se défend. Ça se défend et ça dépend pourquoi. Je pense qu'aujourd'hui, sudo peut être encore très utile. Typiquement, sudo, c'est pas juste pour passer route. Sudo peut te permettre de passer, sur des commandes d'un autre utilisateur. Pas forcément le route. Tu as pas mal de... Alors, je sais pas s'il y a moyen de faire ça avec les capabilities, de gérer l'autorisation, par exemple, de lancer une commande en tant qu'un autre utilisateur. Genre, typiquement, imagine, tu as un site web avec, admettons, du PHP, et un cas de figure que j'ai connu dans le passé, c'était une application en PHP avec... tiens, je vais repasser en blabla comme ça. Hop, le temps que la... Le temps que l'installation se termine. Pour évoquer ce truc-là, parce que je trouve ça assez intéressant. Je trouve que c'est un point de vue... c'est un point de vue qui... on m'a pas forcément parlé des gestions des capabilities, mais j'ai déjà rencontré quelqu'un qui était en mode « Non, mais... de toute façon, sudo, c'est limite problématique. » et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce genre de discussion. D'avoir des avis un peu différents et de voir en quoi ça permet de voir en quoi sudo peut être utile ou en quoi certaines autres technos peuvent être utiles. Je pense à PolicyKit,
je crois, qui, bah, je crois qu'il n'y avait pas eu une juste bonne vulnérabilité il y a quelques mois, ou peut-être moins de 2 ans, dans Policy Kit, justement. Mais oui, effectivement, avec certaines fonctionnalités du noyau qui peuvent donner des droits, y a pas mal de choses qui pourraient être déléguées à ce genre de fonctionnalités-là, plutôt qu'à s'embêter à faire du sudo. Typiquement, on pourrait même envisager que certains programmes, notamment les serveurs web, n'aient même pas besoin de démarrer en tant que root pour occuper le port 80. Et donc, le cas de figure que j'avais eu avec sudo pour un utilisateur, c'était justement une appli web PHP en... c'était quoi le framework ? Du Symfony 2. Et en gros, il y avait un cache, à nettoyer de temps en temps. Et le truc, c'est que l'application tournait en PHP FPM. Et donc, il y avait un utilisateur dédié pour cette appli. Sauf qu'on ne se connectait pas en SSH avec cet utilisateur dédié, vu que c'était un utilisateur juste pour l'appli. Moi, je me connectais avec mon compte d'administrateur, avec un compte nominatif, et qui me permettait ensuite de passer admin parce que j'avais les droits, j'avais le mot de passe root d'une part, et d'autre part, de toute façon, j'étais configuré comme il faut dans le Sudoers. Le truc, c'est que plutôt que de passer root pour ensuite repasser dans l'utilisateur de l'application, j'avais une configuration sudo pour lancer le clean cache de Symfony en tant qu'utilisateur applicatif. Ça, je ne sais pas si les capabilities, gestion des capabilities, pourraient faire ce genre de choses. Mais il est fort probable que pas mal de cas d'usage aujourd'hui soient potentiellement entre Policy Kit, les capabilities, les namespaces. On puisse faire sans. Pour toi, ça rentre dans les activités d'admin, mais bon, ça se discute. Alors, disons que... moi, dans mon cas de figure, effectivement, sur l'histoire de l'appli, j'étais l'admin. Mais on pourrait envisager des techniciens qui n'auraient pas le mot de passe root qui seraient autorisés à lancer ces commandes sudo. Et je crois que dans notre cas de figure, on avait des utilisateurs d'exploitation, des techniciens d'exploitation, qui n'étaient pas root sur les machines en question. Et donc du coup, ce sudo-là leur permettait de faire un nettoyage des caches Symfony sans me déranger à 22h30 alors que je suis en train de doucement de dormir, quoi. Bon, après, quand le site en question est victime d'une tentative, enfin victime d'un DDoS plus ou moins accidentel, oui, là faut appeler au secours. Mais ah, mes excuses, possible maîtrise. Je disais admin au sens de l'activité d'administration, pas du rôle admin. Ah, oui. Oui, alors effectivement... mais c'est pas grave, à la limite, ça permet justement de rendre les choses plus... comment dire, plus claires. L'administration peut être faite par un non-root. Bah justement, est-ce que dans ce cas-là, il y a une autre... il y a une alternative à sudo pour dire je passe de l'utilisateur X à Y. Ok. Tu estimes que sudo est pertinent dans ce cas-là. Ok. Ok. Vous croyez qu'on va passer le stream à installer une Fedora? Parce que franchement, le truc se traîne. Pas cloner la VM existante là sur mon poste. Hop là, allez. Alors. Allez hop.
Ouais, c'est bon, allez, j'ai cloné une VM. Hop, run. Allez, on va pas s'embêter la vie, on va revenir comme ça. J'ai cloné la VM qu'on utilisait pour les streams Podman, donc ça s'appelle podtest-clone. Je pense que ça fera très bien le job. Podtest-clone, hop. Ok. Et on va y aller en SSH, on va pas s'embêter la vie. Voilà. Alors, c'est reparti. Cette fois-ci, on va enfin y aller pour de vrai. Mieux vaut tard que jamais. Donc là, à un moment, il va demander. Non, il va peut-être même pas me demander le mot de passe route, vu que j'ai mis un sudo en mode YOLO. Mais après, pour revenir d'ailleurs à la partie de sudo, ou à la critique de sudo de Haribo, aujourd'hui, bien souvent, sudo est configuré de manière très, voire trop laxiste. Là, typiquement, sur cette machine-là, bon, vous me direz, c'est une machine de test, mais le sudo sans mot de passe, la NSSI dit faudra peut-être arrêter les bêtises. Ok, donc a priori, si je fais un petit sudo justement, systemctl, pipegrep k3s, est-ce que j'ai un truc? Ouais! Status, k3s.service. Donc j'ai un truc qui est installé. Et j'ai mon firewall qui est running. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est que on va peut-être ajouter les ports qui vont bien. Alors. À moins qu'il les ait. J'arrive pas à m'en rappeler. Hein. List services. Voilà. Faire ça, goré. Je pense. Hop, et il dit quel numéro de port? 6443. Alors je suppose que c'est du TCP, hein. Et. Je les ajoute en mode permanent. Comme ça tient le reboot. Voilà. Donc une fois que ça s'est installé, je peux faire un kubectl get node, comme ça. Sans être root, quoi que ce soit. Ah, tiens, enable to read. Ah, bah voilà, je savais bien qu'il y avait un... Voilà, faut être root par contre. Donc là, a priori, name, podtest, ready, control plane, master. Ok, c'est cool. Et j'ai un truc qui s'appelle podtest. Maintenant, il y a des options qui peuvent être passées au... Oui, bah alors, bon, ok, et on peut trouver, ok. Ah, d'accord. Donc, si jamais là maintenant je me remets à cloner à nouveau ma première VM, mon pod test là, on va le cloner à nouveau. Alors, clone. Oh.
spawn 2 directement. Hop, et puis on va en popper un deuxième du coup. Alors, Azram, qui nous dit « Il est possible que dans le home du compte-route, tu aies un dossier .cube avec un fichier config. Avec ce même dossier dans ton home à toi, et les bons droits, tu dois pouvoir faire la même chose, la même commande kubectl sans être root. » Ah ! .cube. On va regarder ce qu'il y a dedans, hein. Et en fait, kubectl parle à l'API de K3S. Ok, alors on a des trucs, discovery, machin, HTTP, ok. Bon, il y a des fichiers de cache, on dirait. Ouais, c'est du cache essentiellement. C'est bizarre. Auto-scaling, authentication, ah, autorisé. Oh là, oui, d'accord. On va tenter, tiens, allez. CP-RVP, on va faire ça. Point cube. Non, home, nils. Voilà. Et ensuite, chown-rv, tiens, nils.cube. Hop là. Home nils.cube. Voilà. Maintenant, je reviens à Nils et puis je fais donc le hop, kubectl get nodes. Ah non, il en veut toujours pas. Parce qu'en fait, il n'arrive pas à lire etc rancher K3S. Alors, a priori, il y a un compte DNS mask. Non, il n'y a pas de compte utilisateur particulier. Et le répertoire rancher. Root, root. Ok, je peux aller donc dans etc rancher. Et là, en fait, est-ce que j'ai un fichier config? J'ai pas l'impression. Voilà, j'ai juste un cache. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, a priori, dans le truc rancher, j'ai un k3s.yaml et un node avec un password. Et ces deux-là sont root root. Si ça se trouve, si je les change et que je mets genre et que je les fais appartenir à Nils, ça passerait. Voire même, si ça se trouve, il y a peut-être moyen d'avoir des trucs, des instances locales, je suppose. Oh, tiens, lui, entre-temps, il a fini. C'est pas forcément lui qui m'intéressait. C'était le clone, hop. On va démarrer. Il est possible que la config de base de K3S ne fonctionne pas avec le même appel d'API. Non, on va revenir ici. J'étais où là? J'étais sur le pod test. Ça c'est Marvin. Donc on va aller ici. Ah, comment ça, le login incorrect? Et lui, il est passé en 184. Ok. Donc a priori, ce qu'il dit, c'est que je peux faire la même chose, ou presque. Hop, ici. Alors la machine s'appelle podtest aussi. Il faudra que je fasse gaffe. Hop. Et K3S token. Alors il va me falloir le token. Et l'URL, ça va être 192.168. On a dit 122.11, si je dis pas de bêtises. Dire
show dev eth0. C'est bien le 11. Ouais, ok. Par contre, il faut récupérer dans Varly Brancher K3S Server Token Node. Ok. Et donc, il est. Alors, faut récupérer quoi exactement? Représenter et found in the file. Parce que là, en gros, est-ce que le fichier représente tout le token? Est-ce que c'est tout le token ou est-ce qu'il faut aller. Bon, pas s'embêter la vie, on va tout prendre, on va voir. On va voir ce que ça donne. Voilà. Voyons voir ce que ça donne. C'est marrant comme. Vous savez, il y a des fois, je me dis ouais, c'est bon, je vais commencer par ça, ça va être facile, ça va pas prendre trop de temps. Vous voyez, là, ça fait déjà plus d'une heure que je suis en live. Déjà, il y a un souci sur l'OS que j'ai installé deux fois. Je veux en installer un autre, mais en fait, ça prend trop de temps, donc je clone une VM que j'ai déjà. Mine de rien, je perds parfois du temps avec des bêtises, je trouve. Une autre manière de dire, je pense qu'on fera un deuxième épisode sur K3S. ok, donc il a démarré l'agent. Ok, et si je reviens ici et que je fais du coup K3S. Non, cube. C'était quoi là? Hop. Cube. Et c'était. Ah, je me suis trompé. Hop. Cube, c'était le get node. Voilà. Pas de test. Ok. Et là, si je fais un. Bonne aide. Pop, 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 pom. Cube, c'était le get nodes. Ouais. Alors, hop, on va aller prendre ça aussi. On va pas s'embêter la vie. Hop. Remarqué, j'aurais pu taper moi-même le moins moins permanent. Le firewalling est bon. Et ben justement, je le. Non, localhost 2.8080. Louche. Pourtant, j'avais bien lancé le truc en. Alors, soit le token n'est pas bon. Mais il l'aurait dit dans ce cas-là. Skipping binary download. Ah oui, il existe. Bon. Control plane master. Et lui, bah. Que dalle. Chelou cette affaire. Bon, on va passer, on va essayer de déployer déjà un conteneur. Donc je suppose que si je fais ça. Ah, qu'est-ce qu'il nous raconte Azram? Hop là. Chaque machine doit avoir un. Ah bah oui, c'est pour ça. Ok. Allez. Vu que t'as trouvé tout de suite Azram. On va le rajouter. K3S. Node name. Provide value valid and unique. Et bah écoute. Hop. Et on va l'appeler égal pod test tiret clone 2. Alors. Il en met du temps à démarrer l'agent K3S. Il prend son temps. Il a décidé d'aller de prendre l'itinéraire touristique.
Bon, pendant ce temps, hop, moi, je vais aller déployer un conteneur. Il aurait peut-être fallu uninstall. Alors j'ai bien une autre proposition, c'est détruire la VM et la recréer. Mais pendant ce temps, à la limite, il essaie de start un truc qui est déjà démarré. Ah, c'est possible aussi. Rien vu de... Pendant ce temps, ce qu'on va faire, hop, cloner, et on va l'appeler clone 3, tiens, hop, allez, vendu. Ah, ça y est, il a fini. Non, il en veut pas. Je le reboot juste pour la blague, mais à mon avis... Alors c'est alors, ce qu'on peut peut-être regarder, c'est justement la partie K3S token, tiens. Si je vais là. Salut Guigué, et eh ben bienvenue d'abord, et ensuite j'utilise libvirt et KVM. Et donc la partie graphique, c'est c'est Virtual Machine Manager. C'est voilà, Virt Manager. Il doit pas avoir toute la config sur l'agent, tu voulais dire le second nœud. Sur le second nœud, voyons voir ça. Maintenant qu'il a redémarré. Non, toujours pas. Bah écoute, à la limite, j'ai mon clone 3. Allez hop, run. Hop. Si je fais la commande sur mon premier nœud, tu veux que je relance le truc Allez, le get nodes. Hop là. Ah, effectivement. Mais il a aucun rôle. Alors. Et 122.87. Allez. Hop. Yes. Oui, l'équivalent de Virt Manager Lateralus qui signale que c'est VirSH. Fort pratique. Nous sommes complètement en phase. Change le node name sur mon clone 3. Ouais, je pourrais. LMTU. Oh. ETC, alors ETC host, hop là. A priori il est pas là. Hop. Ah, dans la commande install. Ouais, bah écoute, j'ai carrément modifié le hostname. Je me demande s'il n'y a pas un hostname CTL aussi à modifier. Hostname CTL. Mon help. Hop là. Status hostname get set. Alors hostname. Et si je mets non, pas ça. Static hostname peut... Allez, on va le rebooter et on va voir ce que ça donne.
pas de test 3. Ok, cool. Donc cette fois-ci, dans la commande install, si tu veux en faire un nœud cube. Alors, on va revenir dans notre, dans notre tuto là, il est où? Voilà. Alors, on va prendre cette ligne là. A priori, j'ai pas à changer le hostname là-dedans. Hop. Par contre, il va falloir que je rajoute la partie firewalling. Voilà. Alors, est-ce que ça va passer? Oh, il a été beaucoup plus rapide. Si je reviens sur le premier, là, que je fais un petit... Hop là, où est-ce que j'étais là? Lui, toujours rien. Et lui, toujours rien. C'est chelou, ça. Connexion à localhost a été refusée. Ou en fait, il faut le faire obligatoirement sur le premier nœud. Ah, ça y est, il est là. Mais ils ont aucun rôle. Ok. Chelou. Bon, on va avancer, on va essayer de déployer ça. Hop. Donc, il a créé un truc. Et si je fais un cube, c'était le getPods. Oui, bah... Oups. Voilà. Alors, Azram qui dit, le nœud master doit avoir une config spécifique avec plus de services que les autres. Du coup, tu dois pas avoir le service avec le port 8080 sur les autres nœuds. C'est probable. Non, mais ça m'intéresse que tu parles, Azram. C'est ça qui est intéressant, c'est de partager. Alors, donc, on a un truc qui tourne. Voilà. On a un conteneur Nginx, mais jusque là. Alors. Donc pour... Bah oui, effectivement. Utiliser Nginx sans y accéder, c'est un peu dommage. Donc il faudrait que j'expose le déploiement, ce qu'on vient de faire là, le créer déploiement MyServer, avec un service. Et la commande suivante permet de créer un service avec le même nom que le déploiement. Et donc là, on l'expose sur le port 80. On va penser à mettre le sudo d'abord. Et là, il l'a exposé. Alors la question, c'est... C'est que maintenant que je fais un petit IPA, oula, ouais, y a plein de trucs. Si je fais un sudo npe, hop, ou un petit sudo lsof, oui, ok. Oh punaise, il y en a des choses. Si je fais un grep 80, ouais, avec un n, ce serait pas mal. N. Ah ouais, mais non, ça va être... allez, grep HTTP. Ouais. C'est pas moins S pour éviter le... Bon. C'est quoi, c'est déjà son IP? C'est là 122.11. Il y a un truc que...
Non, pas sudo comme ça. IP moins 4, moins O, voilà. Et on va pas s'embêter avec ça. Hop, juste qu'il m'affiche. Et donc, il a un truc qui s'appelle flannel.1, qui a une IP en 10.42, un truc qui s'appelle CNI0. Tiens, CNI, ça me rappelle des choses. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas vu les streams sur Podman, ça fait partie des trucs qui permettent de faire du réseau, en fait. Alors, du coup, si je reprends mon... 492. 404... J'ai un 404 page not found. Et c'est pas mon conteneur de d'habitude. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Si je reviens dans mon tuto. Alors. Start a pod and bash interactively init. Ouais, mais alors, attends. Il est gentil, mais maintenant que j'ai... Parce que là, si je lance ça là, il va pas aller sur le. Ouais, mais non, c'est pas la même chose. Start pod. Ouais, ça c'est un autre pod qui me fait lancer avec un badge dedans. Sauf que. Ça, à la limite, ça se trouve. On s'en fiche. Hop. Je suspecte que... Ah si, c'est bon. Financier, un travail possible. Ok, donc là, je suis dans... Et je peux faire un curl my server. Ah oui. Il va me faire une 404, très probablement. Ou pas. Ou alors, il va se gaufrer. Parce qu'en théorie, si j'ai bien compris, là on avait fait un déploiement avec un nom qui s'appelle my-server. Donc ça c'est censé être récupéré de la même façon qu'on avait fait jouer avec le Dockerfile. Sauf qu'en fait il a pas l'air de pouvoir le résoudre. Mm-hmm. Après le tuto datant de 2019, il y a peut-être des modifications depuis. Hein. Alors par défaut, un service... On récupère, ok. Kubernetes a besoin d'un ingress controller. Ah, attends, je vais peut-être éviter de sauter les paragraphes. Ouais, donc ça, c'est les problématiques d'adresse IP qu'on a pu voir, notamment avec, avec notre Docker Compose. Et on a Trifig pour ça. Ah, il veut mettre du Trifig dedans. C'est le 2. Donc, kubedns, metric server, trifig. Il a l'air de faire des trucs tout seul. 82.3059. 443, 31, 80, 35. Oh, ok. Ok. Alors la question que je suis en train de me poser, c'est est-ce que je peux lancer... Non, non, faut pas exagérer non plus. Ici, il n'y a rien dessus, il n'y a rien dessus. Ok. Est-ce que j'aurais pas un souci de firewalling sur mes nœuds? Parce que lors du test de l'appli sur le port 80, j'aurais dû avoir la page d'accueil de Nginx. C'est vrai que ça aurait été plus sympa si j'avais eu... Mais ça, je suspecte que... attends, comment... Comment ça marche? Parce que là... Là, il nous met un autre truc, mais on n'y est peut-être pas.
kubectl create deployment. Ça, on l'a fait. J'ai le truc de debug, j'ai le my server qui est là. Est-ce que j'ai moyen de rentrer dans un pod existant? Alors. Create expose run set expl. Alors, il y a un run. Est-ce qu'on aurait un exec comme on avait avec Docker et Podman? J'ai pas l'impression. Ah si, il y a un exec. Telnet. Bah en fait, on a juste eu un 404. Donc j'aimerais bien. C'était quoi déjà sa commande là tout à l'heure? Hop. Kubectl. Hop. Donc ce serait exec. Alors, si je fais un kubectl. Si je fais déjà un getpod. Et ensuite, je fais un exec moins, donc moins it a priori. Ça, et puis je mets bin sh. Non, moi. Ok. Alors. Laisse commande not found. Peut-être mort. Ouais. Alternative. Debian. Ah ok, d'accord. C'est une Debian donc. Et j'ai bash. Ça va aller tout de suite beaucoup plus simplement. Etc. Nginx. Nginx.conf. Ouais, bon, d'accord. Allez. Alors, user nginx, nanana, var log nginx, ah, allez, var log nginx, dev stdr, dev stdout, ok, tout va bien, allez, tile-f, access.log, et si je relance mon petit vignou là, j'ai rien. Ouais, mais remarque, du coup, il les envoie sur le. Ah, zut. Il les envoie sur la sortie d'erreur standard et. Enfin, la sortie d'erreur et la sortie standard, mais du conteneur. Enfin, de la partie. Oh là là. Et si jamais je retourne. Alors, donc a priori, user share nginx html, hop. Pourtant, j'ai un index. J'ai un index. Et là, j'ai pas de... Non, 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 c'est vraiment include. Allez, va voir dans la conf. C'est étonnant dans ce cas-là que j'ai un 404 page not found. Sérieux, j'ai pas un Nginx hein?
Alors effectivement, j'ai un trifix. Alors, 2 points HTT. Hop. Non, j'ai rien qui écoute sur le port HTTP. Mais on avait cru voir, je sais plus à quel moment. À quel moment on avait vu qu'il avait l'air d'avoir... les nodes, de toute façon, les autres servent à rien. Port forward, mais c'est bizarre parce qu'on a l'exposition du... si on a fait un expose deployment my server pour moi pour 80. Est-ce que... Alors, exposé tech. Take a replication controller service deployment or pod and expose it. Ouh là, ouh. Merci beaucoup Chaos pour le raid avec 38 personnes et avec ensuite un petit quelques follow notamment Yupio Balo. Merci à vous, merci à vous. Salut à vous, salut Chris, salut Charlie, salut Yam. Salut Névrose. Merci pour le follow, Maréchal. Alors, salut à toi, Agent Cobra. Alors, qu'est-ce que... Oula. Salut à toi, Boulabyte. Et merci pour le follow, Yam. Merci beaucoup. Salut Chaos, bienvenue. Merci pour le raid. Racontez-moi là les raiders, qu'est-ce que vous avez fait de beau chez Chaos? Merci beaucoup pour le follow Névrose, merci. Pendant ce temps... Alors... Ah oui, j'ai les notifs, mais j'ai les notifs un petit peu à la bourre. Vous avez fait un petit CTF. Ok. Merci pour le follow, Spico01. Merci. Poupouloupoupoum. Alors. Petit CTF. CTF plutôt dur, plutôt facile. Bon. Très facile. Bon, et ben c'est cool. Ici, on découvre gentiment Kubernetes avec K3S. Et ça marche pas des masses pour l'instant. Merci beaucoup à toi, Chaos. Merci encore pour le raid. A plus. Alors. Voilà, donc nous on a monté... merci pour le follow, Agent Cobra. Merci beaucoup. Donc nous ici, pour le moment, on est tranquillement en train de découvrir K3S. En gros, pour le moment, ça marche pas des masses des masses. Alors... Ah mais là, on est carrément dans, dans le truc de chez Kubernetes, pas dans le truc de chez K3S. Ok. Hop, refer to the docs... Il y a peut-être un truc intéressant là-dedans, non? Ouf, oui, allez, hop, autorise. De toute façon, le navigateur, il explose à la fin de la session. Euh...
Installation, cluster access. Export kubeconfig. Ouais. Ok. Alors pour le moment, on est peut-être un peu plus loin que ce... Enfin, on n'est pas encore à ce niveau-là. Le quick start, il dit quoi? Donc on a fait l'installation du script. Ça, on l'a fait aussi parce qu'on a voulu installer des... on a voulu en installer d'autres. Et a priori, le fait de mettre l'URL, ça le fait tourner en worker mode. Ah, parce que pour l'instant, j'ai trois nodes, mais il n'y a pas l'air d'en avoir plus d'un qui tourne correctement. Hein. Je suspecte que Azram, c'est ce que tu avais noté ici. Hein. Le fait que les machines devaient avoir des nodes, des noms d'hôtes différents. Qu'est-ce qu'on a ? Parce que là ensuite, cluster access, ouais, kubectl get pods, c'est ce qu'on a. Hein, sudo kubectl get... Ah non, get pods. Hop. Ouais, ça on a. Au moins all... Ouais. Hop. Ok. Ok, donc il y a pas mal de trucs qui tournent en fait déjà par défaut. Là, c'est marrant. Donc on a un trific, on a des trucs Helm, on a un Matrix Server, Core DNS, ouais ok. Et ça, c'est moi qui les ai lancés. Accessing the cluster from outside with kubectl, copy etc rancher 4s4s.yaml. Sur ta machine avec un .kubeconfig. Ah ! Donc, si ça se trouve, pour revenir à ce qu'on se demandait avec avec Azram, si je fais ça et que je le copie dans .kubeconfig, on a dit, hop, hop. Non. Hop, voilà. Ah là là. Voilà. Et maintenant, si je fais juste un kubectl get pods comme ça. Non, toujours pas. Bah alors. Then replace the value of the server field. Alors, cluster, server. Ouais, bah c'est censé être localhost quoi. Oula. Ouais, bon, alors ça. Bon, ça marche pas mieux leur truc. Hein. Ou alors il faut peut-être que je fasse du ménage. Ah non, toujours pas. C'est chelou cette affaire. Pourtant, c'est bien celui-là que j'ai copié. Ok, bon, bah je continuerai à le faire avec celui-là. Tant pis. Ah, donc comme vous pouvez voir, c'est pas très la réussite hein, aujourd'hui. Pourtant, on a lancé un conteneur, mais il me fait. C'est un conteneur Nginx qui est censé me filer la page d'accueil de Nginx. Et ben 404 not found, voilà. Et comme en plus les logs... Ah, à moins que je relance Nginx, non. Ah, ce serait peut-être... Oh, ça se tente. J'avais fait pas un exec quelque part. Sudo podman... Ah non, ça c'est pas podman que je veux. Ok, j'ai dû flinguer mon historique. C'est pas grave. Sudo kubectl. Hop. On a dit kubectl exec. Et ça doit être my-server et bin bash.
Non. Alors, Cube CTL, Get Pods. Ah oui, bah non. Hop. Alors, Cube CTL, exec pod commande is deprecated. Cube CTL, exec pod commande. Ok. Alors. Si je. PS commande. Ah bah oui. Ok. Est-ce que j'ai la commande kill? Oui. Est-ce que j'ai la commande pkill? Non. Ah, mais j'ai PID off. Ok, cool. Et ben on va faire kill moins 9. Alors si ça se trouve le truc va se re PID 1. Ah oui, c'est vrai. Oui, bah oui, c'est un conteneur. C'est un conteneur, il a pas besoin de. Oui. Hey, il se relance tout seul. Ok. Et si je... Non, toujours rien. Ok. Alors, ce qu'on va faire... Donc, 1, 78, 79, 80 et 81. Voilà. Et là, normalement, si je fais un PID off Nginx. Ok. Et pour l'instant, mon error.log est vide. Ok. Et non, c'est toujours vide. Oh, bah mince alors! Ah oui, PS, c'est pas... J'aurais pu faire un kubectl logs. Ah. Bah, à la limite même. Alors. Hop, copier. Je suis pas sûr que ça marche des masses, du coup. Ok. Et... Mais le truc, c'est que maintenant que je tente un... Donc en fait, c'est qu'il atteint pas le Nginx. Hein. C'est qu'en fait, ouais, on est pas du tout dedans, en fait. Parce qu'on voit que les... on voit que les restarts. Donc ça confirme que on n'est pas dedans. Alors pourquoi... dans quel truc on devrait être? Parce que le truc, il dit... exposer le truc, ouais. Un service works with a load balancer. Tu penses que c'est un coup du firewall? Ah, tu... Bah... Pourquoi un coup du fire... Bon, allez, tu sais quoi? Stop firewall D. Voilà. Et là, il me dit carrément la connexion a échoué. Salut à toi, Mafilus. Que tout le monde ferme les yeux. 404, page not found. Ok. Bah, toujours pas, en fait. C'est pas mieux. Il l'aurait pas relancé tout seul. Non, inactif. Un problème d'accès au service? Crée un fichier service. Je suis pas sûr d'avoir compris, ma Mafilus. C'est quand même dingue, ça. On va peut-être le relancer, ce truc-là. Est-ce qu'il me sortirait pas un... Erreur already exist. Ok.
Je pense que je vais essayer de trouver une autre documentation pour la découverte de K3S pour dimanche prochain. Hein. Parce que ça m'a l'air... Dans Cube, il faut créer des services pour atteindre tes pods. Sudo... Ah oui, d'accord. Alors, hop. Cluster IP 10.43.160.33. Hop, ça m'a l'air intéressant, ça. La doc, c'était avant, maintenant on est agile, nous dit Tregui. D'ailleurs, salut à toi, Tregui. Ouais, alors l'agilité, là, pour le coup... c'est pas encore ça. J'ai déjà dépensé toute mon agilité en allant faire du sport. Ouais, ça a pas l'air d'avancer des masses là-dessus. Est-ce que j'ai installé un contrôleur réseau pour mon cube? Alors, moi, pour le moment, je me suis contenté de lancer le script curl-pipe-sh et de suivre les bêtements. Bah tiens, je vais vous le reposter d'ailleurs, parce que je pense qu'à mon avis, il doit manquer des trucs dans cette doc. Parce qu'en gros, là, j'ai déployé une image Nginx. Je vois qu'elle est déployée. Elle est là, my server. J'ai un truc de debug en plus. Mais en gros, je suis censé l'avoir exposé. Le service fonctionne comme une sorte de... Parce que là, le debug, on l'avait essayé. Et depuis le... Ah, on va le refaire, alors. Hop. C'est une install K3S de base, c'est Flannel qui gère la couche réseau. Ok. Alors. Already existe, ouais, ok. Allez, faut que je fasse un exec. Non. Ah, punaise. Alors justement, en fait, ma Philus, c'est d'abord, je me fais les... comment dire, je commence gentiment à découvrir avec K3S, dans le but, un peu plus tard, de mettre du K8S. Mais dans l'immédiat, j'ai pas l'impression que K3S me réussit beaucoup. D'après ce que je comprends, en fait, mais ça, ce qui est assez étonnant, c'est que quand j'avais fait mon run, alors à la limite, vous savez quoi, on va en faire un deuxième. On va en faire un deuxième. On va l'appeler Debug 2, voilà. Run, anana, Debug 2. Hop, voilà. Voilà. Et normalement, je devais pouvoir censé faire un curl. Hop, on va mettre en HTTP éventuellement. Mais voilà, là j'ai rien. Et alors a priori c'était censé être cette IP là. Et là j'ai rien non plus. Et pourtant je fais des efforts, le truc il tourne en route maintenant. Ou pas. Il aurait pas utilisé le podman existant ou il est censé faire quoi? Il est censé installer Docker ou pas? Non? Non. C'est vraiment chelou cette affaire. Bon. Il y a des streams qui se passent bien, il y a des streams qui se passent un peu moins bien. Je pense qu'aujourd'hui c'était un stream qui se passait un peu moins bien. Je peux utiliser Cube avec Systemd. Ok. Oui, c'est vrai que Systemd est capable de faire pas mal de choses.
Beaucoup de choses. Certains diraient trop de choses. Ouais. Du coup, je pense pas que ce soit très intéressant que j'avance dans ces histoires de Ingress Controller. Alors, j'étais pas particulièrement attaché à K3S, mais je me disais que ce serait plus simple en fait. Mmh. 1. Créer un cluster. 2. Déployer une app. 3. Explorer. 4. Exposer. 5. Mettre à l'échelle. 6. Mettre à jour. Intéressant ça. C'est un bon lien que tu nous files, Azram. Je suis pas sûr que je pourrais commencer réellement à déployer l'application. Je pense que dans ce cas-là, je passerai. Je recommencerai de base. Quitte à prévoir avant l'installation des VM. Créer un cluster Minikube. Oula, utiliser Minikube pour créer un cluster. Oula. C'était juste pour voir comment marche le labs. Ah, on peut, ouais. Alors quand il dit lancer le didacticien interactif, click to connect, c'est quoi ce truc? Ça lance un lab virtuel ailleurs? Les mecs ils pop des VM ou des conteneurs, ça démarre vraiment une plateforme qui a vitesse? Punaise! Alors, kubectl version. Ok. C'est la technologie Google, ouais, je vois ça. Je vois ça. Et to view the node in the cluster. Ouais, bah ça, on l'a. Et ça, voilà, je les ai, mes trois nodes. Ah oui, tiens, le lab est prêt. Ah mais il l'a fait du coup ça. Ok. Et je peux faire un kubectl get deploy. Ah ouais d'accord, je clique dessus et ça le... Ok. Et je peux même... J'ai même pas besoin de faire copier-coller, tu sais, je clique et ça lance la commande. Et dans ce cas-là, ça donne quoi ici? Si je la tape sur mon K3S? Ok, donc j'ai mon déploiement MyServer qui est là. C'est devenu un truc de feignant. Ouais, effectivement, Azram, même plus à retaper les commandes. Podzarni, nanana, kubectl commande, echo. Qu'est-ce que... Ah, non, fail. Kubectl describe deploy le nom de ton deploy. Alors, hop, tiens, je vais le tester ici. Et donc, mon déploiement s'appelle MyServer. Hop. Hop là. Et là, on a un conteneur Nginx. Tiens, port non, host port non. Volume aucun. Ouais, effectivement, le truc, il tourne pas, en fait. Enfin, il tourne. Il tourne, mais le port est pas mis en place. Hmm.
Event. Ouais, bon. Écoutez, il est, ça va pas tarder à être l'heure de finir. Donc, à la limite, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va. Hop, on va se remettre comme ça. Et je pense que. Je pense qu'il va falloir que je prépare un petit peu plus pour dimanche prochain. Histoire d'avoir un truc qui. Je m'attaque à un gros morceau avec cube, peu importe la déclinaison, mais c'est intéressant. Oui, bah oui, moi ça m'intéresse. J'en entends parler à tous les en long, en large et en travers. À un moment, j'aimerais bien voir un peu ce que c'est pour moi, par moi-même, et puis réussir à maîtriser le biniou. Parce que pour le moment, bah, c'est pas trop le cas. Je pense que si je poste comment dire, la VOD de cette de ce stream sur YouTube, je pense que le titre de la vidéo, ça pourrait être je fail à installer Kubernetes pendant 2 heures. Bref, ce stream touche à sa fin. Oula. Merci à toutes et à tous d'avoir été si nombreux, surtout les raiders, merci à vous. N'est-ce pas mieux que de réussir? Ah non, mais très geek, que les choses soient très claires, hein, l'échec est une source d'apprentissage, mais immense. On apprend beaucoup en faisant des erreurs, donc oui, je compte bien. C'est pas parce que je me suis planté pendant 2 heures que je serai pas là dimanche prochain pour continuer et pour peut-être préparer les VM avant, hein? Ouais, vas-y, call Azram, call l'état de lien en vrac. Merci pour le follow, Bilouret. Merci beaucoup à toi, c'est gentil. Avant de vous laisser, comme d'habitude, les petits rappels, hein, je stream habituellement les jeudis et les dimanches. Le jeudi de 20h à 22h. Alors, on ne fait pas du conteneur, on ne fait pas du Kubernetes le jeudi. Le jeudi, c'est maquette réseau, Home Lab virtuel. On a fait pas mal de Terraform, de Cloud Init. Avec un peu de chance, on va enfin se mettre à Ansible. Je l'espère. Le dimanche, on est dans une série où voilà, je suis en mode essayer de débroussailler tout ce qui est autour des conteneurs. Donc on a fait joujou avec Podman pendant 3-4 streams. Là, on commence à faire joujou avec Kubernetes. Je compte bien continuer à faire joujou avec Kubernetes jusqu'à ce que ça fonctionne. Les streams des jeudis donc, sont de 20h à 22h. Les streams des dimanches, eux, sont plutôt de 18h à 20h. Si jamais vous voulez qu'on discute entre deux streams, eh ben, vous avez tout ce qu'il faut. Normalement, là en dessous, c'est affiché dans la vidéo. Vous avez aussi les liens. Vous pouvez faire point d'exclamation socials pour avoir notamment le lien vers ma page d'accueil où il y a le résumé de toute ma présence sur les réseaux sociaux. Entre autres, il y a notamment le Discord qui est ouvert. Vous avez le lien dessous. Et ça me permet de discuter entre deux streams. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une super fin de week-end. Et ben merci à toi la Terraluse, si ça t'a plu, moi je suis content. Merci aussi à Azram pour les liens en vrac que je vais aller poster sur les liens du live sur Discord une fois que j'aurai fini. Et puis bah, je vous souhaite un bon début de semaine et je vous donne rendez-vous à jeudi ou à dimanche. Ciao, ciao!